Hey, coucou tout le monde. Hey. Bon, nous sommes vendredi 8, j'ouvre ce vlog parce que c'est le vlog voyage à Paris. Et oui, pour toutes celles qui le savent, on part tout le week-end à Paris. Ça y est, la valise est prête, ça y est. Jojo n'est toujours au courant de rien. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez vu qu'on avait pu prendre déjà les places pour le musée du Louvre et le musée de l'illusion, donc... ça approche, on le récupère à 4h30 puisque là il est à la cantine, donc on le récupère à 4h30 et on partira quasiment direct. On a essayé de trouver une histoire parce qu'il n'y sait vraiment pas du tout. On est allé chercher des vêtements vendredi, donc mercredi, parce que tout ce que j'avais acheté à la rentrée, il m'a déjà tout dépouillé, puis hors de question qu'on se balade dans Paris avec des joggings à trous et à taches. Donc du coup on a profité, on a été y acheter des vêtements. Sauf qu'il voulait à tout prix mettre son jean à trous qu'il s'est acheté pour partir. J'ai dit non, tu me le gardes pour samedi. Et du coup il a insisté pour savoir, il y a quoi samedi. Donc il croit que demain on va chez ma belle-sœur pour manger, qu'on est invité à manger. Donc vraiment là il est dans l'ignorance totale. Et c'est juste que du bonheur, on a très très hâte de voir ça. On espère, on croise les doigts pour qu'il s'endorme dans la voiture. Il dort très facilement en voiture, donc qu'il dorme une bonne partie du chemin. Et on verra bien, donc ça c'est la surprise. Là c'est le boxon sur mon bureau pour changer, tout simplement parce que j'ai travaillé sur mon projet Ciao Bella, sur mes deux projets Ciao Bella là cette semaine. Mais c'est pas l'occasion de ce vlog, hein. Mais avant de partir, du coup j'ai deux commandes d'étiquettes à réaliser. Donc là j'en ai déjà trois, il me reste ceux-là à découper, et après j'en ai encore deux autres pour une nouvelle commande. Donc le but étant de partir avec zéro commande en attente. Si j'en reçois dans le week-end, je validerai et je m'en occuperai bien évidemment en rentrant. Je ne prends pas de scrap pour partir à Paris. Mon appareil photo donc du coup est vidé au niveau de la carte mémoire. J'ai pris ma deuxième qui est plus petite. J'ai rechargé mes deux batteries, on va prendre tout ce qu'il faut. On va prendre l'ordinateur pour pouvoir vider aussi entre deux. Et franchement j'ai je suis impatiente, une petite fille. J'espère juste que tout va bien se passer parce que la journée a très très mal commencé, puisque vous savez que je vais en trottinette travailler, sauf que j'ai un vieux con on va le dire, hein, qui, alors il était à pied je vous rassure, qui m'a coupé la route alors que j'étais sur ma piste cyclable. J'étais à fond puisque je me dépêchais de rentrer pour pouvoir tout préparer, et il m'a coupé la route. Donc j'ai beau lui dire poussez-vous, et en fait j'y ai foncé dedans, et je me suis retrouvée les genoux par terre, couchée par terre, je me suis pris poteau en pleine tronche, hein, bref, ça va pas trop défigurer, je suis juste très très mal à mon genou. Donc là j'ai remis ma genouillère et puis on va croiser les doigts pour que ça aille demain, parce que beaucoup de marches nous attendent. Donc voilà pour ça. Donc nous on finit de préparer les petits doigts de Lana, t'as préparé ta valise? Oui. La valise est prête aussi. On va essayer de charger la voiture aussi avant qu'il y ait la récré, parce que s'il ne manquerait plus qu'il nous trouve en train de charger la voiture, ça ferait bizarre. Donc voilà, voilà. Donc moi je vous reprends tout à l'heure certainement dans la voiture. Eyes closed, eyes closed.
viens de passer où là? Ouh, ça fait mal à tes yeux. Je viens de passer devant le Stade de France. Le Stade de France. Et tu vas où là? À Aubervilliers. Voilà. Et Aubervilliers, c'est où? Dans 6 km. Dans 6 km. D'accord. Autre question. Dans 10 minutes. Il est où le Stade de France? Là-bas. Oui, non. Dans quelle ville? En France. Bah oui, mais non, ça c'est le pays, mais la ville. Tu sais pas dans quelle ville il est? Paris. Bah oui. On est à Paris. Oui, on est à Paris. Et en fait, la Fnac s'est fermée. Hein. Bah ouais, mais en fait, on voulait te faire une surprise. Tu m'en veux pas que la Fnac s'est fermée? Bah non, on va pas chez Tata. Et en fait, demain matin à 10h, avec la nana, on a pris les places, on va au musée du Louvre. Et il y a quoi au musée du Louvre? Des chocolats. Ouais. T'es content? Merci maman. Hey coucou, ça y est, on est arrivé. Il est 9h15. Bon mon fils, des émotions. Ah, je suis émue. Tu es émue? Tellement émue qu'il a vomi dans la voiture. Je vous mettrai juste avant les stories d'Instagram que j'ai postées quand on lui a expliqué qui on était. Et en fait, c'est parce que... Oui, j'ai pensé à Doudou. C'est parce que on lui a montré... On est passé dans le Stade de France, donc il lui a montré. Donc on lui a fait gamberger pour savoir où était le Stade de France. Et après, il a réagi qu'on était à Paris. Et 5-10 minutes après la story... Il a vomi, il nous restait 20 minutes de route. Bref. Du coup, ça y est, donc on est dedans. Je vous fais visiter, c'est vraiment tout petit. Voilà ma fille. Donc, bon, on rentre là. Lana, elle se bat. Non, mais en fait, t'as un homme, non, il est grand. Lui, donc là. 2 mètres, tu peux ouvrir, non? Voilà. Donc là, c'est vraiment tout petit, minuscule. Mais bon, ça, on avait vu sur les photos. Je ferme. Lana squatte déjà la petite terrasse qu'il y a. Donc, on n'a pas du trop mauvais temps. Donc, peut-être que demain, on prendra le petit déjeuner ici. Mini cuisine, vraiment mini cuisine. Le canapé lit où on va dormir avec Jojo tous les deux en amoureux. La petite télé. Voilà. Petite table. Mini frigo. La chambre des... Voilà, parce que je suis une maman tourtereaux. Gentille, je laisse le lit aux deux tourtereaux. Non, c'est pas vrai, c'est juste parce qu'elle veut la télé. Aussi. Non, mais j'ai mon PC sinon. Hein. J'ai ma tablette. Et du coup, PC, bah oui, mais viens, on se met là, maman. Ici, donc la mini salle de bain, maman. Douche, toilette. Bon, en même temps, je vous dirais, c'est juste pour 2 nuits. On sera pas là la journée. Bon, oh, maman, ils ont même mis des petits. Attends, je prends ma place. Tu squattes carrément déjà. Maman. Et vous avez pas vu Lana? Lana, montre-nous. Lana, montre-nous. Lana n'est plus blonde depuis hier. Elle a voulu faire comme maman. À vous. Non. Tu n'as pas montré comment t'es belle en brune? Non. Bon, tant pis. Donc nous, voilà. Et maintenant, on va repartir parce qu'il faut qu'on mange ce soir. Donc voilà. Bon, allez. Demain, allez. On va au Louvre. Demain, on va au Louvre. Tu vas voir quoi au Louvre? J'ai déjà Non. Comment ça s'appelle? Tu ne te rappelles plus le nom de ta copine? La Joconde. La Joconde. Dans la voiture, il y a 5 minutes, tu le disais. Ma maîtresse a dit qu'apparemment, il y avait un endroit, Égypte, qui était très beau. Ouais, du coup, on va aller voir ça demain. Bon, allez, moi, je vous reprends plus tard. Hey. Bon, ça y est, on vient de se réveiller il y a un quart d'heure. Jojo est douché. Mets ta serviette correctement. Cache-toi. J'en ai une qui se cache, donc ça veut dire elle peut pas être filmée en pyjama. Pourtant, tu veux pas montrer nos beaux pyjamas sortis? Pas ma tête. Pas ta tête. Bon, alors, voyez mon pyjama avec les bourrelets qui vont avec. Je vous montre le pyjama Lana et mon Jojo qui déjeune. Alors, j'ai pas montré ses pieds et sa tête. Et Lana, on a pris le même sorti, sauf que moi, c'est Winnie et elle en orangé, corail. Et Lana, c'est en bleu avec Mickey. Et là, Jojo, ta serviette correctement?
Et là, on a notre Jojo qui a été à la douche et qui déjeune devant Gulli. Ah, c'est la 14. Du coup, donc là, on se prépare parce qu'on décolle dans une demi-heure. Mon café est fait, ma puce me l'a fait. On déjeune et on décolle direction rendez-vous 10h, le Louvre. Là, Lulu finit d'un salle de bain et après, on y go. Jonah, tu vas avoir quoi? La chambre. Et t'es où là? Dans le Louvre. T'aimes bien? On est dans quel secteur? Voilà, c'est mon endroit. Dans quel secteur? L'Antiquité. Hein? Quelle Antiquité? L'Antiquité grecque. Thank you.
vous avez vu, nous sommes à l'Arc de Triomphe. On est passé par la Tour Eiffel juste avant. On est allé manger aussi au Subway. La petite pause, donc, du coup, à l'Arc de Triomphe. En plus, on a de la chance parce qu'ils ont retiré les bâches. C'est ça, ces bâches qu'il y avait ? Bref, on a une étoile, tout ce que vous voulez bien. Et du coup, on a de la chance, on va pouvoir le voir un petit peu. Et après, on va aller se promener tout le long des Champs-Élysées. Vers un petit peu les boutiques Disney, BSG, entre autres. Lana a décidé qu'elle me payait une robe d'hier. C'est ça, Lana ? Non. Elle veut pas, bon, tant pis. Tant pis pour moi. Du coup, ça, et puis il faut qu'on soit à 18h au niveau du musée de l'illusion. Donc, on retourne au niveau du loup parce que c'est juste à côté du loup. Mais tu m'as pas dit que tu m'as acheté une minute de mètre ? Oui, j'ai acheté une minute de mètre. Parce qu'en plus, vous ne connaissez pas la meilleure. Lana voulait à tout prix aller au village Disney pour acheter sa minute. Sauf que le village Disney, il est à Disney, enfin Disney Star, c'est au village Disney. Et Disney Star, il est où? Dans Disney. Donc non, non, on ne payait pas une place Disney juste pour aller acheter une mini. À des primes. À des primes. Mais bon. Du coup, Jojo, il kiffe, il adore sa journée. Là, il est assis. Alors, il arrive, il est en train d'enlever un cake dans sa chaussure. Il y a la star qui arrive. Il y a la star qui arrive. Donc voilà, donc nous on profite et puis on reprend après. Avoue que t'as fait une bêtise. Non? Elle était à combien ta mini à la base? 50. 50 fois 10. Et 30. Sauf que d'être 15 euros à passer à 15, la Nano Win. Et coup de balle à la caisse, la grande à 50, elle est passée qu'à 30. T'as de la chance. Elle est fanade de mini. Et toi, t'es où là? On est où là? Paris. Hey, hey, ça y est. Attendez, je vous ai pas raconté l'arnaque. Donc la mini énorme et voici la plus grande Olaf que j'ai trouvée. Il n'existait que deux Olaf. Voilà, je suis toute triste, tout nette. Moi j'ai le droit qu'à ça. Voilà les bêtises de Lana. À la base, j'ai vu un perceur tatoueur. Je voulais m'arrêter. J'ai dit à Lana, attends, on s'arrête parce que je voulais acheter un nouveau pour l'arcade. Et en fait, on est rentré dedans et on s'est reparti avec et un piercing. Et elle n'a pas acheté de piercing à l'arcade. Et j'ai pas acheté de piercing à l'arcade. Et du coup, là on est devant le musée de l'illusion, on attend, on fait la queue. Hey, 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 recoucou. Bon, ça y est, on est rentré. Il est 7h30. On vient juste de rentrer. Que dire? On n'a pas pu vous filmer tant qu'on voulait. C'était cool. Longue journée, on va dormir bonheur ce soir, moi je le dis. Du coup, vous avez vu ça? Je vous explique après. Du coup, la fois que je vous ai pris, on était à l'Arc de Triomphe, donc on est passé à Disney Star. Lana a fait des folies. Mais alors, quand je vous dis que Lana a fait des folies. Et en plus, ça sent l'injustice. Alors déjà, elle a vu à la base cette mini-là. 30 euros. Bon, elle a passé à 15 des 15 euros d'achat. Donc on s'est dit, on va le prendre, on va faire 15 euros d'achat et puis elle aura 15. Spécial Nano Win. Sauf qu'elle a vu elle. Vous voulez voir le prix? 50 euros. Ouais, ouais, ouais. Elle était prête à faire cette folie-là pour une mini. Ouais, ouais, je vous jure. Sauf que coup de bol, à la caisse, elle est passée à 30. Donc en fait, on est pour moins de 50 euros. Les deux. Alors vous avez vu la taille. Hein. Attendez, il est où? Regardez-moi ça. On va l'acheter. Je n'ai trouvé que ce Olaf. Non, il y avait deux Olaf. Un plus petit qui ressemblait pas vraiment à Olaf et ce Olaf-là. Il y a de l'injustice, non? Moi, je voulais un Olaf. Je me trouve avec un mini Olaf. Et moi, je suis repartie. Voilà. Et je suis une petite mini. Je me retrouve avec une géante. Ouais, non, mais elle en veut une encore plus grande en plus. Donc, on a fait Disney. Après, on est allé à la boutique PSG. On a fait énormément de queues. Que ce soit. Oui, il a commencé à m'enfiler. Et on a fait beaucoup de queues à l'extérieur, on a fait beaucoup de queues aussi à l'intérieur. Alors pour celles qui me suivent sur Insta, vous avez vu le jogging d'hier qui était troué, sachant que je l'ai acheté mercredi, dégoûté. Là, franchement, je viens d'y acheter un jogging PSG. Regardez, tu peux tourner la caméra. Je vous montre ça. Donc ça, c'est le haut, 40 euros. Comment vous dire que s'il me le bousille... Je suis mort. Voilà. Torturé. Et il y a le pantalon, 55. S'il fait un trou dedans, torturé. Donc voilà, il est content. Il a eu ça. Demain.
Du coup, on est allé aussi après du... Donc après, on est allé direction le musée de New York. On n'a pas fait la boutique d'Harry Potter, tout compte fait. On a déjà assez bien dépensé. Et là, j'avais pas prévu de dépenser autant. On garde un peu de sous pour demain. Et puis Harry Potter, il y en a une au Havre. Hein. De toute façon, Jonah était parti sur le principe que ça allait être encore plus cher qu'au Havre et tout. Donc, on n'y a pas été. Donc on a pris la direction du musée d'illusion. Sauf que là, j'ai vu un tatoueur perceur. Du coup, j'ai dit à Lana, attends Lana, je voudrais voir pour acheter un nouveau piercing à l'arcade. Donc, ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà vu. Lana dit, vas-y, viens, on se fait percer le nez. Parce que ça fait longtemps qu'elle avait envie de se percer le nez, j'avais envie aussi. Mais j'avais pas sauté le cap. Et en fait, du coup, bah, on est reparti sans piercing à l'arcade, mais avec un piercing, toutes les deux, sur le nez. Alors, en plus, ça s'est foutu de ma gueule parce que moi, arrivé devant le. C'était à 2 minutes du musée d'illusion, mais moi, arrivé de musée d'illusion, c'était. Je pissais le sang, donc là il y a encore un peu, faut que je nettoie, mais voilà. Et du coup on a été au musée d'illusion, pas ouf. Il y avait des trucs de bien, franchement ça aurait pu être mieux s'il y avait eu moins de monde. Il faut rentrer trop de monde en fait, je pense, pour qu'on puisse assez profiter des choses. Après il y avait des trucs vraiment très très bien, on a pris pas mal de petites photos, j'essaierai de vous mettre des photos dessus, mais franchement trop de monde pour qu'on puisse bien profiter. Il y avait un truc avec une chaise qu'on aurait voulu tester, mais en fait il y avait tellement de personnes qui faisaient la queue à côté pour une autre attraction que bon, on l'a pas fait parce que sinon on aurait vu les gens, donc voilà. Donc trop de monde, ça aurait pu être bien, mais faut qu'il y ait peu de monde en fait dedans. Donc voilà, et du coup bah, après on est rentré ici et là on va commander à manger et après je vais aller à la douche. Ouais. Allez, je vous reprends plus tard. Bon, Lana m'a dit, t'as pas montré ça. Donc voilà, j'ai offert à ma fille une tasse mini. Bon, Jonah, il en a offert. Jonah, il n'en voulait pas, donc... Bon, j'aurais pas acheté mini. Hein. Bah, moi, ce qu'on m'a pris, c'est ça. T'as pas reprendre ton petit déjeuner dedans demain? Non, j'ai pas la salaire maintenant. T'as pas la salaire maintenant? Bon, ce coup-ci, je vous reprends plus tard. Hey, 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 recoucou. Bon, on est dimanche. Ça y est, le week-end touche à sa fin. Il est 10h. On va bientôt quitter le Airbnb. On doit rentrer pour 11h. Tout est déjà prêt, on attend juste les tourtereaux qui finissent de se préparer et on pourra décoller. Du coup, là, en direction Grand Plaisir. Alors, juste avant, on fait un arrêt à... Haribo. Je vais vous dire ça, la boutique Haribo, mais de où ? Si c'est Paris. De Yapu. je sais plus où elle était, je vous dirai ça plus tard. Elle est à côté de Grand Plaisir. Et oui, Jonah. Si c'est Paris. C'est fait tout beau. Alors, vrai, on a dit quoi par rapport à jogging là ? Pas de trou. Pas de trou. En vrai, il me va bien. Ah, il me va bien. Mais si tu me dépouilles, je te dépouille. Torturé, on l'a dit. Donc voilà, donc ça y est, on est prêt, on est en train de tout, je suis en train de tout remettre en ordre. Vous voyez, moi je suis déjà prête. J'ai fini de pisser du nez, j'ai pas saigné, j'avais peur un peu de saigner du nez puisque ça a été vraiment l'effusion hier. Mais non, ça va, ça bouge pas trop, pas mal. Franchement, impeccable. Souvenir de Paris. Paris, tu... Voilà, là, je pense qu'au niveau du souvenir, on est... Dans le long terme, on est pas mal. T'es prête, ma puce ? Du PQ. Ouais, on en avait pris au cas où. Bon, allez, je vous reprends un peu plus tard. Bon, ça y est, on est à Grand Plaisir. Donc, bon, il y a un peu de temps qu'on est, parce qu'on aime passer au waffle manger. Hop là, joli, pourtant. Donc voilà, donc là on va aller se promener, faire les boutiques, dépenser encore plein de sous. On s'arrêtait juste avant déjà à un autre centre commercial où là on a juste fait la boutique Haribo. La nappe est vraiment se concentrer sur cette boutique là. On a craqué notre slip chez Haribo, mais tout ça je vous montrerai ça en arrivant à la maison. La voiture est déjà pleine, je ne sais pas comment on va faire. Lana a vu aussi qu'il y avait un Action ici, donc il y avait des Action. Ça tombe bien parce que du coup moi il me faut des boules de Noël pour la boutique, donc j'irai... J'en profiterai. Je sais pas où on mettra tout ce qu'il y a. Vous voyez, là, il y a le foie ici, on a mangé. Voilà. Bon, allez, j'essaie de vous montrer un petit peu à l'intérieur. Ça dépendra s'il y a vraiment beaucoup de monde. J'aurais voulu vous filmer plus que ça durant ce week-end, mais il y a des endroits comme quand on était à la boutique Disney ou la boutique PSU où on pouvait pas filmer. Donc voilà, donc si je peux, je filmerai un peu plus. Bon, ça y est, on est arrivé au Havre, on a déballé. Donc, ça, c'est la partie Lana, hein, avec ses affaires. C'est mini. Alors. Est-ce qu'on parle de la collection de mini de Lana ? Déjà, elle est revenue avec 3 mini de Paris. Hein ? Est-ce qu'on en parle ? Combien il y en a ? Une. Alors, on compte. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Total 6? Ah non, 7 et 8. Et il y en a une chez Sonia. Et il y en a une chez Sonia. 8, 9 mini. Non, Lana n'est pas accro à mini du tout. Mon, t'as acheté quoi? Des bonbons. Moi, je vous fais voir ce que Lana a acheté. Des bonbons comme ça. Mais ça, je veux bien que tu m'en donnes un petit peu quand même. De quoi? Elle a acheté des comme ça. Et moi, j'ai acheté des bananes. C'est ça que j'ai acheté, des bananes. Oui. Et on a dit on ferait moite-moite au niveau de la boîte. On continue dans la folie mini de Lana. Elle a acheté du papier cadeau. Mini. C'est pour emballer quoi, Lana? Rien. Rien. En fait, c'est juste pour le passé, juste parce que c'était mini. Et voilà. Tout ça, c'est juste parce que c'était mini. Qu'est-ce qu'elle a acheté d'autre? Un t-shirt chez JD. Un manteau chez Jennifer. J'ai déjà récupéré mon jean. Ici. Bah ouais. C'était mini. Donc, elle est obligée de l'acheter. Quand c'est mini, c'est obligé. Je continue, je vous montre. Hein. Des chaussettes mini et un pyjama. Vous ne devinerez jamais il y a quoi. Non, c'est pas mini, c'est Mickey. C'est une robe. Hein. C'est une robe. Non, c'est une chemise. C'est une robe? Je sais pas. Non, c'est une chemise de nuit. Bah, j'aime bien en robe. T'aimes bien en robe? On va mettre en robe. C'est pas mini, mais presque. Hein. C'est Mickey, il manque plus que le nez. J'y mettrai un stickers rouge. Mais il manque des trucs d'action. Action, j'ai pas encore vidé le sac. C'est de l'autre côté, ma puce. Allez, on va voir de l'autre côté. Bon, bah ici, c'est mon bordel à moi. Donc, il y a ma valise là qu'il faut que je vide, mon sac à main. Les paquets Haribo. Mon jean, donc, du coup, que j'ai acheté chez Jennifer. Pâte d'éléphant. J'en voulais un. J'ai fait un petit tour à Action. J'ai refait le plein. J'ai acheté... Alors, il y en a deux rouges, deux gold, des grosses, grosses, grosses. Pour le moment, il n'y en a que quatre. Du coup, ils vont aller en boutique aussi. Mais elles seront pas dans des boîtes. Du coup, ça, c'est la casquette que j'ai achetée chez PSG pour Valentin. Mon Olaf, j'ai acheté ça à Jojo pour qu'il ait son propre Joconde. Dans ces petites choses. La petite tasse à Lana. Hop, tiens ma puce, tu peux la ranger. Donc ça, c'est les souvenirs de... Mince. Du Louvre. Hop là. Il y a... Celle-ci, c'est la tienne celle-ci? C'est pour Sonia. C'est pour Sonia. Jonah en a pris une pour la maîtresse aussi. Alors ça c'est... J'ai acheté une belle bonbonnière pour ranger tous mes bonbons. Hop. Alors j'ai acheté ce gros paquet là. Tout ça pour manger. Ils sont mes miens. Oh, je me suis trompée, Lana. Oh, j'ai pas pris les bonbons, le bon paquet. Et bien alors là, c'est l'arnaque. Je me suis plantée de paquets. J'ai voulu le prendre en gros, je me suis plantée. Donc, j'ai même pas mes bonbons préférés. C'est pas grave. Ceux-là, c'est pour Jojo. Les bananes pour échanger. Ça, c'est le sac de monsieur avec des réglises. Mais il y en a aussi pour moi. Je vous jure, c'est le bordel. Et on a pris aussi des comme ça pour monsieur. Donc voilà, bon, enfin bref... C'est le dawa, c'est le bordel, il n'y a plus qu'à ranger. Mais c'est pas fini. T'es pas fini? Non, c'est ça. Ouais, mais ça c'est Action. C'est des boules et deux trucs de déco. Mais j'ai plein voilà. De chaussettes mini. Mais t'es plein de chaussettes mini. Bon allez, je range. Hey, recoucou, bon il est 8h30, je vais clôturer ce vlog spécial week-end à Paris. On aurait aimé que vous vloguiez plus que ça, mais certaines boutiques, on n'avait pas le droit de filmer du style Disney, du style... voilà, on n'avait pas le droit du tout de filmer, donc... Le week-end touche à sa fin, malheureusement. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec nous. Je sais que certaines ont adoré toutes les stories en vlog. Je vous remettrai quelques petits extraits aussi, du coup, dans ce vlog, puisque certains passages ont été filmés en story et pas avec le téléphone. Comme la réaction de Jonah qui a compris qu'on était à Paris. Il faisait sombre, il faisait déjà nuit, donc je n'aurais pas pu vous filmer avec l'appareil photo, je vous ai filmé. Avec mon téléphone. Franchement, je ne me lasse pas de voir son air, mais on est à Paris. Franchement, ça y a fait super plaisir, il est super content et c'est juste génial. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé ce vlog et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous.